Bonjour, c'est Nati, mes chéris. J'espère que tout le monde va bien, mes Sagittaires. Donc, ça sera du 24 au 30 janvier. Allez, alors ici, ça sera le foyer, votre foyer de vie, et puis famille, amis, proches et des enfants, si on a, par rapport aux enfants. Ici, et puis, par rapport à vous-même, hein, notre foyer à l'intérieur de nous, hein, comment on se sent. Hein. Ici, ça sera l'amour. Ensuite, le travail et ici, les finances, mes chéris, d'accord? Je tenais à vous remercier. Alors, comme vous faites partie de l'aventure, parce que je ne le conçois pas autrement, en fait, voilà. Alors, le 17 janvier, exactement, j'ai atteint les 1000 abonnés. Je suis fière et contente et je vous like et puis je vous remercie énormément du fond du cœur et voilà, merci de faire grandir tous les jours ma chaîne et puis mon projet. Donc, c'est formidable. Et puis, sinon, je tenais à vous remercier de vous être abonné. Ceux qui vont s'abonner, merci beaucoup. À droite, vous avez la petite cloche qui vous prévient. Et c'est pour ça que c'est important de vous abonner. Ça vous prévient quand je poste une nouvelle vidéo et il y en aura d'autres. Et puis, merci d'avoir liké, des pouces en l'air. Moi, ça me fait du bien, vraiment. Ça me motive, ça m'encourage. Ça, voilà. Et puis, quand je vois des pouces en l'air, mais écoutez, c'est que ça vous a plu. Et puis, vous m'envoyez des bonnes ondes, ça veut dire aussi. Il n'y a pas que moi qui vous envoie des bonnes énergies. Donc, voilà. Alors là, on ne voit plus très bien, mais c'est couleur argent. Alors, c'est le reste. Ça devait terminer avec vous. Et j'en ai plus après. C'est comme ça. Donc, je mettrai une autre couleur pour les autres signes qui me restent. Et couleur argent, c'est pour comment dire, tout ce qui est relationnel. Voilà, pour que ça soit des liens forts, plus soudés, plus forts. Voilà, au niveau de la famille, au niveau de l'amour, des collègues, au niveau de l'amitié, relationnel, voilà, les relations. C'est en pierre de lune, donc c'est joli comme tout, j'adore. Alors, pour mes Sagittaires, il y a quelque chose qui se joue dans l'air, là, ici, qui se joue en coulisses. Il y a quelque chose qui arrive, mes chéris. Soyez patients, on me dit. D'accord? Peut-être aussi, vous attendez la réponse à la maison. Mais chez vous, mais il y a quelque chose qui arrive. Hein. Soyez pas impatients, il y a de la nouveauté hein, pour vous qui arrive, mes chéris. Il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. J'en ai trop là. Bon, c'est pas grave, je les prends quand même les deux. Donc, celles-ci, elles sont tombées ensemble, donc je vais les mettre ici. Et celles-ci, elles sont tombées ensemble. Et pour les finances, qu'est-ce que c'est? Bon, bah, c'est deux par deux, hein, voilà. D'accord, ok. Bon, bah, ce sera deux par deux. Ça, elles ont envie. Il y a des messages, c'est pour ça. Alors, mes chers Sagittaires, ici, je vous ai dit d'être patient, ça arrive. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose que vous attendez, donc vous adaptez, homme ou femme, jeune homme, jeune fille, tout âge, tout sexe, hein, vous adaptez s'il vous plaît comme d'habitude, merci, et puis vous adaptez à votre vie, mais ça arrive, on vous dit que ça arrive, mais il y a de la nouveauté qui arrive, et ça je vous l'ai dit, et la roue elle tourne en votre faveur, en amour ici aussi, hein. Oui, j'ai l'amour ici, il y a de la nouveauté en amour, hein. Où il va y avoir hein, de la nouveauté en amour. Et puis, par contre, il y en a qui doivent se décider en amour. Ouais. Prudence en amour, mes chéris. Bon. Il faut faire attention, hein, d'accord? Réfléchissez bien avec qui vous vous mettez, avec qui, voilà. Et il y en a qui prennent la décision, là. Il y a la décision, ils se libèrent. Ils vont se libérer, du moins. Ils vont se libérer d'un fardeau, d'un poids. Ça n'allait pas, de toute façon. Ça n'avait ni queue ni tête, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a l'amour qui arrive, mes chéris, pour certains. Oui, alors, c'est ça, voilà, il y a la séparation.
C'est ça, ce que j'ai nouveauté en amour. Et il y en a qui vont se séparer. Voilà, peut-être c'est déjà arrivé, ou qui vont se séparer. Mais on me dit au final, vous étiez sous l'emprise de l'autre, et puis au final, c'est comme une illusion. Vous vous réveillez, vous vous dites, ah bon, bon bah finalement, j'ai idéalisé. Mais il y en a qui ont peur, hein, et je vois des peurs ici. Hein. Vous êtes sous l'influence de quelqu'un qui vous fait peur. Partez, partez, mes chéris, libérez-vous, partez, partez. Pensez à vous, faites attention à vous, partez. C'est ce qu'on me dit, alors je vous transmets. Hein. Alors ici, il y a des couples qui vont se former. Et puis pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Il y a des engagements pour certains couples. En tout cas, il y a des promesses d'engagement, feu vert, souplesse, légèreté. Soyez un peu flexible et patient. D'habitude, et Sagittaire, vous êtes patient, vous. Projet, il y a des beaux projets qui se profilent. Et ici, j'ai la fidélité en dodec, mes chéris. Super. Alors, ensuite, ici, au niveau du travail, il y en a pour certains, ils ne voient pas arriver le travail. Ils se disent, mais c'est pas possible. Est-ce que je vais rester combien de temps sans travail? D'accord? On vous dit, ayez foi, croyez, il y a du travail qui arrive, donc envoyez vos CV, ne lâchez rien, continuez, je sais que ce n'est pas facile, mais je suis obligée de vous transmettre ces messages-là, et on me dit qu'il y a du travail pour vous prochainement, d'accord, ça va arriver. Ensuite, on me dit qu'il y en a. Il y en a, ils sont débordés de travail. Pensez à votre santé, mes chéris. Et il y en a d'autres, c'est pas qu'ils ont pris du retard, mais c'est fou, ils sont débordés, il y a du travail, il y a beaucoup de travail en fait. Hein. Donc, il y en a qu'en ce moment, oui, vous êtes débordés de travail beaucoup, hein. Oh, j'ai beaucoup, beaucoup de Sagittaires ici, mais il y en a qu'en ce moment, en ce moment, ça va pas pour certains. Ça va pas, c'est une période comme ça à dépasser, on me dit. Donc, ça va venir, mes chéris. Mais en tout cas, en ce moment, ça va pas. C'est une période comme ça qui est lourde. Voilà. D'accord? Lourde. À vous, c'est deux par deux. Hein. Et ici, faites attention si vous prêtez de l'argent, que la personne ne vous rend pas de l'argent. Donc, faites attention, trahison, ou qu'on n'essaie pas de vous profiter. En dodec, j'ai le cadeau. Il y a de l'argent qui rentre ici, quelque chose d'imprévu, ça va vous surprendre. Ouais, faites attention aussi de ne pas trop dépenser en l'air ou vous faites ce que vous voulez, hein, libre arbitre à vous, mais moi je vous transmets les messages, de ne pas être trop dépensé, pensez à plus tard. Et d'autres, faites-vous du bien, du plaisir. Mais ici, il y a de l'argent inattendu qui arrive, une somme imprévue, vous allez être content, contente. Il y a de l'évolution en tout cas. Super. Oui. Ah non, mais franchement, là, vous allez être bien. Vous allez être royal. Là, là il y a un truc hein, qui se passe de beau. Vous allez être satisfait hein, et satisfaite. Hein. Il y a une réalisation là. Super. Vous allez vous sentir comblé, heureux, heureuse. Super. Oui, il y a des stratégies, des organisations et tout. On s'organise au niveau du travail, au niveau de. Il y a quelque chose avec le temps. Hein. Ça arrive. Hein. Soyez patient, je vous dis. Après, il y a quelque chose. On fait des stratégies, on met en place un plan, voilà. Et puis, on s'y tient. Et puis ici, il y a un rapport avec l'étranger pour certains. Donc, c'est pour les Sagittaires. C'est pas évident, mais tenez bon, hein, là, tenez bon. Hein. Il y a un projet avec l'étranger et c'est pas facile parce que, ouais, c'est ça. En fait, tout est une question d'organisation et de patience, voilà. Oh, ben alors, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez seul? Ah, vous avez la peur au niveau de l'argent aussi. Hein. Ici, on a les pentacles. Vous avez peur au niveau de l'argent. Mais non, ça va aller. Vous n'allez pas. Ça va aller, mes chéris.
Oh, il y a beaucoup de nouveautés avec vous, hein. C'est bien, on a encore le jugement. Vous voulez que je vous dise, vous vous faites des peurs. Il faut vous reprendre et ici, ça va vous apporter une renaissance, une force. Puis la roue, elle va tourner pour vous en positif. Mais mes chers Sagittaires, en fait, c'est comme si... il y avait eu un déraillement à un moment donné, que vous n'arriviez plus justement à cause de ce déraillement à trouver votre voie, prendre... voilà. Et là, en fait, ça va vous faire du bien. Hein. Ça va vous raligner. Il y a un réalignement au final. Bon, c'est une période à dépasser, mais pas si mauvaise que ça. C'est vous qui le croyez. Ça va aller. D'accord, mes chéris? Ça va bien se passer. C'est comme un... Ici, on me dit, c'est comme un démarrage un peu difficile. Mais ça va aller, mes chéris. D'accord? Organisez-vous. Puis arrêtez d'avoir peur de manquer d'argent ici et d'être à la porte ou de manquer d'argent. Oui. Bon, ça va aller avec... écoutez, mes Sagittaires, ça va aller, moi je le vois. D'accord? Je ne vous dirai pas, Nathie, elle ne va pas vous dire n'importe quoi. Oui, vous êtes protégé, très très protégé même. Puis moi je vais, dès qu'elle termine cette petite bougie, là c'est la fin... D'accord. Je vais allumer ici bougie jaune pour que vous ayez confiance en vous. D'accord. Moi, j'ai confiance en vous. Voilà, c'est la fin d'ailleurs. Moi, j'ai confiance en vous. Alors, il faut que je trouve un briquet maintenant. Voilà. Je vous envoie de l'énergie pour avoir confiance en vous, une grande confiance en vous, que ça grandit. Voilà. Pour vous, mes chéris, vous en avez besoin, je le sens. Hein. C'est comme ça, vous me direz quoi, mes chéris d'amour? Oui, c'est un nouveau projet où il vient de naître, où ça vient de commencer, où ça va commencer, mais ça va être fertile. Hein. Fertile, à vous, ça va vous servir, ça va vous faire grandir ici, d'accord? Vous voyez, le bébé, il est grand. C'est pas un tout petit, là, il est grand, ce bébé, vous voyez? Regardez. Eh bien là, ça va vous faire grandir. Super. Mais vous n'ayez pas peur. Ça va bien se passer. Oui, parce que... Puis à l'étranger, hein. Alors, c'est possible que vous travaillez avec l'étranger ou que vous partez à l'étranger ou que vous vous trouvez à l'étranger, que vous me regardez de l'étranger. Ça va vous permettre que par la suite... D'abord, c'était votre destin. Et ça va vous permettre que par la suite, vous allez vous décider quel choix prendre... Et quelles sont les possibilités? Quelles possibilités j'ai? Quel choix je prends? Et ensuite, comment dire? Quelle décision? Je me décide par rapport à cette voie ou cette voie. Parce que vous étiez un peu paumé. Mais ça va vous faire du bien. D'accord? Nati, elle est là. Et puis... Oui, Nathie, elle est là, elle vous le dit. Hein. Regardez, la voyante, ça, c'est moi, ça. Bon, ben, j'espère que je suis plus belle que ça. Hein. Bon, je rigole, hein. Il faut bien rigoler dans la vie. Hein. Rigolez-vous aussi, mes Sagittaires. Hein. Il y a un cadeau, il y a un cadeau. L'univers vous apporte un cadeau. Vous inquiétez pas, ou un colis, quelque chose. Hein. Peut-être un colis, hein. Bon, peut-être vous êtes séparés de quelqu'un, mais ça va aller. Hein. Il y a la séparation, mais ça va aller, mes chéris. Hein. Ça va aller. Vous allez renaître. C'est quelque chose qui va vous rendre plus fort. Ah oui, mais après, ça va aller. Vous allez attirer la chance. D'accord? Attirer les belles choses. Victoire! Qu'est-ce que je vous disais? Ça confirme. Au niveau d'un travail. Ça va vous faire du bien, même pour vous. Hein. C'est pas que l'emploi. Hein. Mais... Victoire au niveau de ce travail-là, si vous l'avez commencé, vous allez le commencer, mais en tout cas, toujours est-il que c'est une victoire, mes chéris. Moi, je suis contente ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est plus vous qui vous faites des peurs, hein, d'accord?
Alors, c'est dans votre tête. Il faut calmer le mental. Alors, un événement important fait éruption dans votre vie. Oui, c'est très important pour vous, je vous le disais. Une puissante révélation qui mène au changement. Oui, vous avez le changement, rappelez-vous. Il est temps de déployer vos ailes volées, mes chéris. Il est temps de déployer vos ailes volées par vous-même. C'est l'expérience de la vie. Vous voyez là, l'expérience de la vie. D'accord? Allez, on se... Hein? On se... Comment dire? On se secoue et on se bouge et puis on reprend confiance. Hein? D'accord? Comme cette petite bougie, elle a ce rôle-là. Elle est un peu de travers, voilà. Elle a ce rôle-là, bah, je vous envoie de magnifiques énergies, de bonnes énergies. Et écoutez-moi, mes chers Sagittaires, ça va aller. Arrêtez d'avoir peur. Voilà, pensez positif et c'est tout. Ça va aller, d'accord? Et puis, déployez vos ailes, hein. C'est l'expérience de la vie, hein. C'est un cadeau de l'univers, prenez-le comme ça. Hein. C'est pas tout le monde qui vit ça. Hein. C'est ce qu'on me dit, alors je vous le dis, hein. D'accord? Ah, c'est deux par deux, mes chéris, avec vous, d'accord? Espace sacré, bah, peut-être que créer un autel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Peut-être allumer une petite bougie dans une église. Ou peut-être qu'il y a... Comment dire? Peut-être qu'il y a quelque chose de sacré. Ou alors, dans votre chambre, admettons. Ou dans la salle à manger, ou je ne sais pas où, hein. Si vous avez une petite bougie, bon, vous faites attention la nuit, hein. Eh bien, vous allumez une petite bougie, vous faites une petite prière, des demandes, une pensée pour quelqu'un, pour vous-même, ou alors vous achetez une petite statue ou une petite peluche, même pourquoi pas, je sais pas moi si vous aimez les peluches, quelque chose qui vous fasse du bien ou un bouquet de fleurs. Écoutez, le bouquet de fleurs. Il a, ou une petite plante, ils ont des pouvoirs. Ils ont le pouvoir que quand vous les regardez, d'accord? Déjà, vous n'êtes plus seul, parce que c'est vivant, hein? On est bien d'accord. Et ensuite, ça a le pouvoir de vous apporter de la joie et de la sécurité. Non, mais je déconne pas, hein? La nature, elle a... Attendez, sans la nature, c'est la nature qui nous nourrit, hein? Faut arrêter, hein? Donc, et puis de toute façon, il y a plein de comment dire, de bougies ici, j'en ai plein. Vous êtes protégés. Moi, je vous protège, mes chéris. Moi, je vous envoie, de toute façon, je ne sais pas pourquoi, mais les Sagittaires, je vous rajoute, ce soir, je vous rajoute dans mes demandes. D'accord, mes chéris? Alors, ici, on vous dit, vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Arrêtez, c'est dans votre tête. Allez. D'accord? Alors, ensuite, je crois que là, pour le coup, hein, le temps de compresser et tout, je crois que je vais vous rajouter là. Parce que j'ai lancé mes vierges, mais je crois que je vais vous rajouter le plus vite possible. Et du coup, normalement, je devais vous rajouter quand? Attendez, je vais vous dire. Mais écoutez, vous en avez besoin, donc je vais faire compresser cette vidéo et vous mettre le plus rapidement possible. Il est 17h, c'est pas évident. Hein. 17h. Vous étiez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous étiez les huitièmes, je vais vous mettre les deuxièmes. Hein? Et puis les autres vont comprendre. Des fois, je fais ça, c'est comme ça. Soyez pas jaloux, soyez solidaires. Et il faut qu'on soit solidaires avec mes Sagittaires. Voilà, ils en ont besoin. Mais ça va aller, tout se passe dans votre tête. Non, il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Et même s'il y a un petit truc, quoi, qu'est-ce qui se passe, ou quoi, s'il y a une histoire de quelque chose d'imprévu ou quoi, ça va s'arranger. On est d'accord? Ça va s'arranger. Je vous dis, ça va vous rendre fort, ça, et forte. Je ne sais pas ce que vous vivez. Mais en tout cas, c'est quelque chose de bien. Et c'est l'expérience de la vie, mes chéris. Ne l'oubliez pas. Peut-être ça ne se présentera pas deux fois, hein. On est bien d'accord. Hein. Déployez vos ailes. Oui, peut-être que vous n'avez pas l'habitude. Je ne sais pas, moi. Oh là là, j'en ai trop. J'en ai tellement.
Bon, je prends celle-ci parce qu'elle avait sauté la première tout à l'heure. Et puis j'ai le cadeau toujours, mais j'ai le soleil hein, pour vous. Hein. J'ai le soleil. Hein. Oh, il y en a trop, mes chéris, ça veut parler. Bon, en tout cas, j'ai des amants ici, je vous le dis quand même, parce que ça sort. J'ai des amants, maîtresse, amants et maîtresse, ils se voient. Ils comptent les secondes pour se voir. C'est un amour passionnel, très charnel, très fort. Oui, mais on me dit qu'il faut prendre une décision de vous dire. Alors là, je sais pas quoi. Ah non, il y en a trop. Hein. Dis donc, qu'est-ce que ça veut parler avec vous? Ah là là, mes guides, vous aimez mes sagittaires, donc voilà, il y a besoin de les rassurer apparemment. Puis c'est l'expérience de la vie, j'arrête pas de vous le dire, vous allez solutionner. Hein. C'est comme si vous avez ouvert la cage quelque part. C'est comme si vous avez ouvert et du coup vous avez cette clé. Vous êtes sorti, vous êtes là-bas, vous êtes, je ne sais pas comment vous dire, ça va aller, vous n'êtes pas emprisonné, ça va aller. Et on solutionne, là, il y a la solution. Hein. Oui, on croit que c'est insurmontable, mais non, ça va aller. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai une femme ici. C'est la consultante, elle doit choisir sa voie, son chemin, sa route, se décider. Elle est un peu perdue parce qu'elle téléphone à quelqu'un. Stabilité. Vous allez vous stabiliser. Peut-être que cette personne à qui vous téléphonez ou que vous échangez, eh bien, elle va vous rassurer, peut-être qu'elle va vous calmer, vous voyez, mais il y a la stabilité qui revient au final, hein. Ça va aller mes chéris, vous êtes déboussolés un petit peu, vous cherchez votre nord quoi, c'est normal, c'est le début peut-être, là vous êtes déboussolés, en fait c'est comme si vous cherchiez votre repère, vous voyez ce que je veux dire, ben ça va aller, hein, d'accord, mais maintenant je suis en train de penser... Attendez. Mais j'ai quand même le monde ici. J'ai la carte du monde. Vous vous sentez perdu peut-être? J'ai la carte du monde. Vous vous sentez perdu, désorienté, on me dit. C'est rien, ça va rentrer dans l'ordre. C'est comme si c'était un décalage horaire et que vous ne supportiez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh. Ah ben, disons, ça veut parler. C'est une histoire de temps, hein, ça va aller. Ça va aller. Bon, vous faites attention. Oui, bon, alors là, ça parle d'autre chose. Là, c'est pour la maîtresse, d'accord? Vous attendez trop longtemps, apparemment. Et vous attendez l'autre trop longtemps. Il y a de la patience ici, hein. Je parlais d'amant et de maîtresse, vous vous souvenez? Eh bien, il y a de la patience, hein. L'impatience, là, pour le coup. Bon, vous, vous êtes déboussolé. C'est comme si vous vouliez rentrer à la maison ou quelque chose comme ça, mais ça va aller. C'est la stabilité, hein, aussi, hein, cette maison. Hein. Et puis, c'est des bases solides, hein, ça va aller. Merci. Alors, le travail, c'est quand même le travail où il y a un travail à faire sur vous, où il y a un travail. Elle a l'air grande, hein, quand même, cette maison. C'est peut-être une structure aussi, une structure, quelque chose comme ça. Peut-être vous travaillez pour un organisme, un foyer, une structure. Organisme, association aussi. Mmh. Et ben.
Oui, l'argent. Bon, tout à l'heure, je voyais que vous aviez peur de manquer d'argent. Là, je vois qu'il y a l'argent, hein, il y a l'argent. Et pour d'autres, grâce au travail, il y a l'argent, hein, d'ailleurs, hein, pour certaines personnes. Et là, alors, ici, vous attendez l'homme avec impatience. Bon, c'est secret, c'est une relation secrète, hein. C'est une relation secrète. Et ici, j'ai la sécurité en tout cas. Vous êtes en sécurité, d'accord? Bon, c'est le patriarche ou... Ouais, bon, ici, il y a des jeux sadomaso. C'est le patriarche ou comment dire? Bon, là, il y en a trop quand même. C'est le patriarche ou le boss ou le patron. Mais c'est aussi la sécurité, l'ours. Hein. Mais c'est la force, l'ours. Attention, hein, ça dépend des pays. Hein. Moi, je sais que c'est la force aussi. Hein. Donc, vous êtes plus fort ou plus forte que vous ne le pensez. Il y a une force, il y a quelqu'un qui va vous aider, d'accord? Ah oh ouais, il est question quand même de mouvement ou de voyage ou aussi d'international, encore une fois. Hein. Ouais, vous démarrez quelque chose de nouveau. Vous allez voir. Hein. C'est quelque chose peut-être pas évident, mais que vous allez aimer. Vous allez aimer au bout du compte. Hein. Il y a l'amour, hein, ça va être. C'est quelque chose comme si la pureté, l'amour, le lys royal aussi. Hein. Ça vous rend royal, quoi. Ça vous rend. C'est encore une force, hein, le lys, quelque part aussi, hein, mes chéris. Hein. Parce que le lys, il a plusieurs interprétations, si vous préférez. Ouais, vous allez trouver le calme aussi. Le lys, c'est la paix, le calme. On va se poser, on va être serein, sereine, parce que vous démarrez quelque chose. Bon, écoutez. Il y a le calme qui va revenir, c'est parce que c'est nouveau pour vous. On vous a dit, hein, expérience de la vie, et puis déployez vos ailes. Hein, vous en êtes capable, vous allez dépasser là. Hein, d'accord? Vous allez dépasser ici. Bah oui, passer une nouvelle vie, mes chéris, c'est encore l'expérience. Ici, il y a cette vie d'avant, et là, vous êtes passé de l'autre côté, c'est comme ça. C'est l'expérience de la vie, et puis il y a de la réussite et on solutionne aussi, on va trouver hein, des solutions, mais c'est surtout que vous allez vers une nouvelle vie où vous vivez une nouvelle vie aujourd'hui. Bon, écoutez, ça va aller, moi je le sens, j'arrête pas de vous le dire. En plus, en dodec ici, j'ai le vœu qui se réalise. Il y a la protection. D'accord? Faites-vous beau et belle. Pensez à vous plutôt. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les Sagittaires. Alors, défendez vos croyances et vos décisions. Vous avez décidé ça, eh ben défendez-le. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Pourquoi? Parce qu'il y aura la réussite. Loupez pas tout, hein, mes chéris. Hein. J'arrête pas de vous le dire. Hein. Loupez pas tout. Hein. Ne renoncez pas. Protéger ce que vous avez créé, ce que vous démarrez là, il y a quelque chose que vous démarrez ici. Faites preuve de courage, ayez foi en vous. C'est pour ça que je vous ai allumé la bougie jaune, mais c'est pas que pour ça la bougie jaune. Écoutez, on vous dit bien, il y a encore quelque chose de nouveau, c'est le magicien. Hein. Là, ici, je l'ai aussi en cavalier. Écoutez, on vous dit bien, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Allez, du courage, vous en êtes capable. Moi, je vous fais confiance. Dites-moi quoi en, comment ça s'appelle, en commentaire.
Et puis, allez, let's go, on fonce et puis on vit les choses, hein, mes chéris. C'est pas la peine de... Oh là là, qu'est-ce qu'elle veut parler avec vous? C'est une occasion en or qu'on vous dit, d'accord? Ça se répétera pas deux fois. On me dit, vous avez de la chance de connaître ça. Alors, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas... Alors, on vous dit, des portes s'ouvrent à vous, alors. C'est bien. De manière importante en ce moment. C'est bien, ce que vous vivez, c'est important, hein. Et vous êtes important, vous êtes capable. Franchissez-les, d'accord? Oh, mes amis. Non, mais après, mes chéris, moi, je vous adore, vous le savez. Du coup, je vais poser des questions à ma fille, elle est sagittaire. Hein, j'espère que tout va bien. Non, ça va. Alors, on vous dit, peut-être que vous travaillez avec les enfants ou un petit ou les adolescents aussi, hein, parce qu'on en a une plus petite, plus grande. Hein. Et puis, c'est, vous êtes comme un ange, je vous jure. Vous êtes doué pour aider, conseiller, guérir les enfants. Peut-être par la suite, vous allez choisir d'aider les enfants ou je ne sais pas. Ou vous le faites déjà, gratitude. Guérir, conseiller, guérir. Guérir, c'est aussi d'apporter... Quand on s'occupe des enfants, on travaille avec les enfants, on apporte un travail, donc... Mais c'est aussi d'apporter du bien-être, du bonheur, de la joie, de l'écoute aussi, vous voyez, de l'aide, quoi. Utilisez votre habilité. Ah, vous êtes capable, vous, hein. Vous, à aider les enfants dès maintenant. Vous, vous êtes capable. Vous, en fait... Le Seigneur Dieu, la source, l'univers, il vous a fait ce précieux cadeau de pouvoir comprendre les enfants et de les aider. Par mille manières que ça soit, c'est pas grave par quelle manière, je veux dire. Il y a plusieurs manières, mais en fait, vous avez ça. Vous aimez les enfants, vous, hein. Peut-être que... Peut-être qu'il y a des personnes guider les enfants qui vont décider de guider les enfants ou travailler avec les enfants ou que vous travaillez déjà ou que vous aidez les enfants. Les petits comme les plus grands, hein, d'accord? Ici, c'est bien. Ou alors, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, les enfants qui sont en difficulté, qui en ont besoin, vous voyez? Super, et c'est une occasion en or d'ailleurs. Bon, ben écoutez mes chouchous, voilà, j'ai passé un peu plus de temps avec vous. Ben écoutez, je vous embrasse mes sagittaires. Nati, elle vous dit I love you. Nati, elle vous dit qu'elle est là, elle est là avec vous. Je vous envoie tout plein de bonne énergie. Je vous rajoute dans mes demandes parce que je vois que je vous en avez besoin, quoi, hein. Gros bisous à vous, bon week-end parce qu'il arrive. Et puis on se calme, surtout le mental. Bisous d'amour, à bientôt.